Ok, donc nous sommes avec une partie de la team, les vaillants, les fiers de leur performance, ceux qui ont réalisé d'excellentes performances, je pense à Vincent. Bonjour, la team Jaquette et Jaquiquette réunis. On va commencer avec Anne-Laure. Anne-Laure qui a fait 60 et 200 mètres et un 200 un peu particulier. Raconte-nous. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai raté le départ. C'est juste que j'ai pas raté le départ et que du coup, je suis pas partie. Et bon, du coup, ils m'ont fait passer dans la série d'après. Et j'ai réussi, j'ai terminé première. Après, j'ai envie de faire une édition. Et raconte-nous un peu cette première sur une piste indoor comme ça, relevée. C'est la première fois. Bon, tu t'en es bien sorti quand même. Bravo, Anne-Laure. Allez, on va continuer, on va, autant qu'on est avec les filles. Elle est juste à côté. Ah, mais Céline, viens. Ah, là. C'est quoi? C'est l'interview. Hop, t'as bien fait de venir. Allez, Sophie. Bon, c'était pas la meilleure journée aujourd'hui, hein? Non, pas du tout. Bon, ça arrive. Qu'est-ce qui s'est pas bien passé? J'ai fait un 60 mètres en 8,62 avec un mauvais départ. Et un 200 en 30,46 avec de la merde aussi. Et comme d'habitude, hein? Et comme d'habitude aussi. Allez, elle vient d'arriver, de nous rejoindre. Il y a Mélissa qui va courir dans. Dans un quart d'heure? Dans un quart d'heure? Va faire 30 heures depuis Belle-Lave. Oui! Soline! Non, c'est l'éternel. Soline, c'était pas mal aujourd'hui. Ouais, c'est... Déjà, hauteur 1m35. L'entrée? Oui? Fais gaffe. Et t'as pas pu faire la suite après. Mais un 200, pas mal. T'as vu ton chrono? J'ai fait 2 minutes quelques. Bon, c'est pas mal. La piste et tout, qu'est-ce que t'en as pensé toi? C'est pas bon, le cours, c'est pas mal. Ah, ça fait mal au mollet, hein. Il va falloir bosser à l'entraînement, hein. Ouais. Et de l'autre côté, gros travelling. Elle rigole. Bon, j'ai commencé avec le 68, je les ai toutes passées. Oui. Bon, je pense qu'on peut applaudir Fanny qui a passé toutes les. Bravo Fanny. Voilà, et après j'ai fait le 200 en 27,63. Fanny qui a fini son 200, on peut l'applaudir aussi. Bravo Fanny. Et elle n'a pas chuté. Voilà. Avec un couloir 6. C'était chaud, hein, mais ça allait. Ah, le deuxième ça virage Ouais, le deuxième virage, comme ça je faisais l'escalade. On dirait la montagne, ouais. Ouais. Non, mais ça va. Oh, mais un bon chrono quand même. Merci. Bon, on va la faire. Bravo Fanny. Bon, on passe au mec. On va aller avec le pousseur fou. Clément Bouchan. Gatli. Qui a encore une fois assis sa domination sur 60 mètres. Un chrono de combien aujourd'hui, Clément? 7,36. 7,36, c'est un tout petit poil moins bien que la fois, c'est ouais, ça? 7,35. Ouais, ouais, voilà. C'est pas si la bonne soirée. Ouais, je suis soirée. C'est pas mal quand même aujourd'hui. Hein. T'étais dans une bonne série en plus. Je descends dans le film des enfants. Je peux aller chercher, ils veulent pas venir. Ouais. Je laisse la place là. Ah bah, attends, on va finir par Vincent parce que c'est quand même le cas particulier du jour. David. Ouais. David, 60 mètres dans les mêmes valeurs que la dernière fois. C'est ça. Et un bon 200 où il a défoncé tout le monde. Ah, grosse surprise, grosse surprise. 24-03. C'est pas mal ça. Ouais, je suis content. Bon, je fais une belle 60, je me suis arrêté le barin, donc forcément un peu déçu. Ah oui. Mais le 200, mais parti avec le moins bon temps d'engagement, tout le monde série 1. Grosse blague, merci. Série 1, ouais. Série 1, ouais. Avec des mecs engagés en 21, logique. Et du coup, ben voilà, j'ai tenu et arrivé à 24. Comme quoi les miracles, ça existe. C'est bientôt Noël, ça le cadeau. Cadeau de Noël. Et on peut terminer par le meilleur. Avec celui qui n'a pas fait 1-0. Celui qui a fait 2-0. Non, que deux. 2-0. À la hauteur. 3 fois 1m65. Ciao. Ciao. Le 60 mètres. Ciao. Un petit peu de rebond dans les starts et ciao. Ciao. Et le 200, on n'est pas passé loin. Ouais. Déjà, aujourd'hui, je confirme que le proverbe jamais 203, ça marche. Alors,
60 mètres. Ben, faux départ, parce que dans le start, je bouge, du coup, faux départ. Du coup, ben, une course ratée. J'arrive sur la hauteur, première barre 1,67 au échec. Du coup, zéro, pas aérien du tout. Et après 200 mètres, c'était pas mal. J'ai amélioré mon record, mais. Il a failli tomber. J'ai failli tomber. Et il avait une chute presque. J'ai eu le sol près de mon nez, mais ça va. Mais un bon chrono quand même, finalement. Ouais, bon chrono quand même, mais bon. Journée un peu. Déçu. C'est une journée un peu mi-figue, mi-raisin. Bon. Je pense qu'on va rendre l'antenne avec la moitié de la team Jaquette, la moitié de la team Jaquette. Ceux qui ont bien voulu répondre aujourd'hui. Les vrais, faut que citer les absents. Je les en remercie et je dis un gros merde à ceux qui ont dit non. Je vois Sarah Fesser, Alex Farré, Flo Boulot, Anto Velasco, Léono Cody, Clément Bouchan. Ben, il est là. Sorry, Clément. Voilà, et parmi nous. On va s'en aller supporter Colin Forêt et Mélissa Velasco. Rendez-vous le 5 janvier. Non, le 7 janvier. À Aubière. Pour le 400 mètres. 400 mètres de folie. En espérant que ce coup-ci, il y a du résultat. Là, pour ma part, un petit 52. Vous lâchez le 52. Vous voulez qu'il intègre le 4x4. David, tu fais 400 en Aubière. Pour les autres, pour vous. Bon, vous discuterez ailleurs que devant la vidéo, les mecs. C'est quand même. Allez, on dit au revoir. Au revoir. Ciao. Ciao.